Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Alors, les exercices de respiration aujourd'hui, grâce à la méditation de ce matin, c'est j'inspire en imaginant que j'inspire par les pieds et que j'inspire quelque chose de Gaïa. Tout le monde avec moi. Retenez, 1, 2, 3, 4, 5, et j'expire par les pieds. Voilà, imaginez que vous inspirez par les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, et j'expire par les pieds. Voilà, c'est pour s'ancrer, pour connecter les pieds, pour ressentir les pieds, car évidemment, quand vous vous connectez à Brahmadev, il y a quelque chose qui se perche, voilà, mais il est important d'être à la fois dans le corps et à la fois en état modifié de conscience, en onde alpha, theta. Voilà, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Voilà. Alors, nous allons accueillir Lali. Allô, Lali. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci, Brahmadev. Merci, Lali. Alors, Lali, c'est l'épisode 1. Oui. La rencontre. Qu'est-ce que tu dis? Une toute nouvelle. J'entends rien. Tu peux te rapprocher du micro? Je suis une toute nouvelle. Je suis toute nouvelle. Est-ce que tu as un casque et un micro pour parler? Alors, ouais, attends. Parce que là, il y a toute la pièce qui revient en réverbération. Du coup, on n'entend rien. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, pour les nouveaux et les nouvelles, pour passer à l'antenne, il vous faut un micro et un casque. Parce qu'en fait, si vous utilisez le micro de l'ordinateur, ça ne marche pas. Si vous utilisez un micro qui va prendre tout ce qu'il y a dans la pièce, ça ne marche pas. J'ai besoin d'un vrai micro. Ça peut être un micro de téléphone. Hein. Les oreillettes de téléphone, ça marche très bien. Allô? Alors, on est en train de connecter. Vas-y, prends ton temps. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je expire par les pieds. Voilà, c'est important parce qu'en fait, pour me... Est-ce que tu m'entends là? Alors oui, mais par contre, je vais baisser le son. Oui, je t'entends. C'est beaucoup mieux. Vas-y, dis quelque chose. Alors, est-ce que là, c'est bon pour toi? Oui, voilà. Voilà, je suis avec une professionnelle du micro maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Transformation rapide. C'est quoi ton micro? Dis bien. Bon, je sais pas, c'est un casque avec un micro, je m'en sers jamais. Ah, il est bien. Waouh. C'est un truc tout simple, hein. Waouh. Alors, c'était comment l'émission aujourd'hui, l'épisode? Maintenant, là, t'as suivi un petit peu c'est puissant. C'est un... Ouais, c'est comme toujours, hein, l'expérience d'un réveille celle des autres. Moi, j'étais très connectée à ce que disait Jules. Ça m'a beaucoup parlé. Mmh. J'ai adoré sentir la fréquence de Mère Teresa. C'était très émouvant, ça m'a ramené à mon enfance, ça. Mmh. Et en fait, moi, je suis là parce que ma petite voix m'a guidée, mais sans savoir pourquoi. Mmh. Bon, ok, tu veux que j'y vais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ok. C'est chouette. Ah, gratitude. Et voilà. Merci. Moi, c'est aussi sans doute parce que je t'ai revue là il y a pas longtemps avec Stéphane. Et comme moi, je suis Stéphane depuis longtemps.
Voilà, je pense que la connexion s'est refaite comme ça. Génial. Ouais. Merci. Et tu suis les méditations de temps en temps, non? De dimanche 15h30? Non, la dernière fois que je t'ai vu, moi, ça devait être avec une émission avec Samuel. Non, j'ai pas encore suivi les méditations. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, tous les dimanches à 15h30, il y a une méditation de groupe depuis 3 ans, qui dure un certain temps. Et là, aujourd'hui, c'était la plus puissante jamais réalisée. Donc, je t'encourage à la regarder. C'était une reconnexion à nos ancêtres et notamment à l'âge préhistorique. Donc, on a été loin hein, au niveau des ancêtres. On a été les premiers hommes des cavernes avec les animaux qui voulaient nous manger. Il y avait un côté félin, un côté... Et là, il y a eu... moi, j'ai pleuré pendant une heure. D'habitude, je pleure pas quand même. Et là, il y avait la réalisation... Ça vibre bien, sacrum, là. Pardon, ouais. Excuse-moi. Vas-y, non, c'est bon. Il y avait la réalisation que l'être était là et que l'être parlait aux hommes des cavernes. Et c'est l'être qui a tout guidé, quoi. Le feu, le grenier, la roue, toutes les inventions, tout. Faire cuire les aliments, se protéger les uns les autres, les tactiques de chasse, les cueillettes, l'agriculture, tout, tout, tout. La petite voix... La même petite voix qui a dit « clique et passe dans l'épisode avec Brahmadev. C'est cette petite voix. Et la petite voix, là je parle à tout le groupe, chacun a cette petite voix. C'est pas les sous-personnalités ou l'ego qui veulent passer, c'est la petite voix, c'est l'être en fait. Et la petite voix devient de plus en plus grande. Ah. Merci d'être là pour le premier épisode. Waouh. C'est chouette. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, une grande respiration. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Alors, la première impression quand je rentre chez toi, c'est... Il y a un truc très percutant, c'est la précision. Ouais, j'ai rarement vu autant de précision. Dans la voix, c'est super précis. Donc, tout l'être est super précis. C'est très spécial, hein. Les gens, ils sont pas comme ça d'habitude. Là, il y a un truc, c'est la beauté de la précision. Alors, il y a aussi l'élégance qui est là. Et les deux sont liés, évidemment. Il y a la sensibilité aussi. Mais vraiment, le truc, c'est la précision, comme... Wow, c'est beau, en fait. Hein. Une précision dans plein de dimensions, en fait. Tu vois. Voilà, c'est la première impression que j'ai en entrant dans ton système. Et tu fais du chant, non? Je me lâche pas assez, mais j'adore ça. Oui. C'est très, de toute façon, la fréquence du verbe est très importante chez moi. Oui, parce que ce que je reçois, c'est que cette précision pourrait être utilisée dans le chant. Parce qu'évidemment, le chant, c'est de la précision. Hein. Il y a une telle précision dans chaque note que après, il y a une maîtrise de la précision dans le chant. Ça va être magnifique. Hein. C'est vrai qu'avec un système de précision comme ça, chanter, ça peut être très agréable et très efficace aussi, très percutant, tu vois. Parce que la précision... ouais. Est-ce que tu la ressens chez moi, la précision aussi? D'une autre manière, je pense. Quelle est ton impression de Brahmadev? Puisque là, nous sommes tous les deux. Donc... tu sais, pour moi, en fait, je me suis dit tout à l'heure, j'ai souvent remarqué ça. Tu sais, quand je clique comme ça, même pour d'autres, pour Samuel ou Romain, que tu connais aussi. Oui. En fait, c'est juste pour me connecter. Tu vois, c'est un prétexte, en fait. Oui, j'ai compris. Je suis pas idiot. C'est une reconnexion. C'est pas, pour retrouver la famille. Je suis pas complètement idiot, tu sais. Mais
Mais après, je me dis, bah ok, mais vas-y, c'est cool, c'est bien. Puis de toute façon, je sais très bien qu'il y a toujours une parfaite résonance vibratoire. Donc, peu importe, ce qui joue pour moi se joue pour chacun. C'est Alors, parfait. justement, ce qui est intéressant, c'est la maîtrise du son et des vibrations grâce à la précision. En fait, la question c'est pourquoi je suis super précise? Est-ce qu'il y a la conscience déjà que je suis super précise? Ouais, c'est même, tu sais, limite autiste, moi, des fois, dans ma Ouais, structure. tout à fait. Ouais, je sais. C'est Moi, une je recherche de trouve ça beau. perfection et c'est, ouais, ça peut être Moi, je trouve contraint. ça beau parce que je suis autiste aussi. Alors, du coup. Ah, bah, ça m'étonne pas. Ah, bah, évidemment. Je reconnais. En fait, j'avais pas perçu que j'avais la même précision, mais j'ai reçu l'info là en temps réel. Parce qu'en fait, si je vois quelque chose chez vous, c'est que ça peut être que je l'ai aussi, en fait. Et là, je l'ai aussi, mais je n'avais pas non plus la perception tant que ça. Et ouais, c'est un côté un peu autiste, effectivement, un côté carré, en fait, un côté blanc ou noir, hein. Un côté, c'est précis, en Ouais, fait, c'est puis oui ou c'est non, c'est un blanc ou c'est côté noir. perfection, enfin Ouais. perfection, c'est très Perfection, la oui. mienne, Ouais. quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de perfection sans précision. C'est-à-dire que là, je suis chez toi, et moi, bah, c'est mon métier, je vois toutes les potentialités de la précision, en fait. Comment elle va s'incarner dans la vie, dans la perfection, dans l'art, dans le chant, dans la musique, surtout dans l'art, et la musique, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le contraire de la précision, c'est la confusion. Et oui. Et là, ça part à chaque fois dans l'infini. À chaque fois que je regarde quelque part dans ton système, il y a l'infini partout. C'est très spécial. Hein. Ouais, il y a un miroir vachement. Y a un sacré miroir. Et du coup, y a une beauté là-dedans. Alors, il y a une beauté du point de vue de l'être. Et c'est vrai que pour l'humain, des fois, ça peut être compliqué. Uniquement si je n'ai pas créé mon paradis. Parce que si je crée mon paradis qui est rempli de ma perfection, de mon infini, de ma beauté et de mes précisions, alors je suis au paradis. Tu vois? C'est comme ça que moi j'ai résolu dans mon système en fait. Je suis super précis. Dans plein d'aspects en fait. Évidemment, c'est totalement insupportable pour beaucoup d'autres. Ben oui, Moi je en fait, c'est rigole. ça, surtout, tu vois, C'est c'est gonflant pour les autres, c'est chiant, quoi. totalement insupportable. Mais moi ça me fait Ben oui. rigoler. Alors, nous avons un mantra pour tous les deux. J'assume ma précision. J'assume ma précision. J'assume ma perfection. J'assume ma perfection. J'accepte d'être. J'accepte d'être. Alors en vrai, j'accepte d'être. J'avais pas compris, je croyais qu'il y avait une suite. Non. J'accepte d'être. En fait, accepter d'être implique j'accepte ce que je suis, implique Je suis. j'accepte mes précisions, implique j'accepte ma beauté, j'accepte ma perfection, j'accepte tout ce que je suis et toutes mes créations. Tu vois? Voilà, j'ai donné le détail, hein. Du petit mantra. J'accepte d'être. Tu vois? Allez-y, encore une fois, ça va vous faire du bien. J'accepte d'être. J'accepte d'être. J'accepte d'être. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et j'honore ce que je suis. Et j'honore ce que je suis. J'élimine la croyance que ce que je suis n'est pas bien. J'élimine la croyance que ce que je suis n'est pas bien. Ce que je suis est génial. Ce que je suis est génial. Voilà. Comment tu te sens? Dans le ventre? Ça bouge au niveau du thymus là. Ça va vers la gorge. Ouais. Et dans le ventre aussi. Oh là, ça bouge vachement. Il y a un serpent dans le ventre. Tu sens, non? Ouais, c'est vrai. Ça gigote. Ouais. Il y a des expériences de Ça chrome Kundalini, jusque non? les pieds. Ouais, c'est bon. Kundalini? C'est quoi l'expérience de Kundalini?
T'as entendu parler? Non? Oui, enfin, moi, j'ai... C'est, je m'attache pas trop aux mots. Ok. Concept. Je m'attache surtout à ce que je ressens au niveau du c'est corps. Mieux. Enfin, je c'est veux beaucoup surtout mieux. Ouais. Poser mon attention là. Ah, c'est génial. Ah, franchement, tu peux rappeler quand tu veux. C'est un cadeau. Waouh. C'est Lali, ton prénom? Oui. Okay. Nathalie. Nathalie. Lali. Ah. Oui. Mais le prénom, c'est... un message avant-hier. C'est comment le prénom? Je ne sais pas si tu l'as écouté. Non. Nathalie. Nathalie, d'accord. Mon prénom, non, c'est Nathalie. Ouais. Non, j'ai pas eu le temps de voir mes messages d'avant-hier. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, l'offrande de Nathalie, c'est j'accepte ce que je suis, même si ça peut être gonflant pour les autres. En fait, c'est leur problème. Tu vois ? C'est pas un manque d'amour d'être soi. Mais pourquoi les autres m'accepteraient ? Pourquoi les autres ne pourraient-ils pas m'accepter tel que je suis, en fait ? Ouais. Avec mon besoin de précision, avec mon côté autiste, mon côté génie aussi, parce qu'il y a un côté génie, évidemment. En fait, l'offrande là de Nathalie, c'est la précision amène beaucoup de bénéfices et d'offrandes et de bonheur. C'est magnifique, c'est vraiment beau hein, ce que tu apportes au groupe. C'est dans la voix et dans tout ce que tu émanes, il y a la précision. Et là, Brahmadev, il explique à quoi ça sert, la précision. Ça sert à enlever la confusion identitaire. Ça sert à amener de la clarté. Ça sert à chanter juste, à faire de la musique, à créer, à être exigeante, tu vois. Et à être, tu vois. Ça sert à... C'est ça qui est beau, c'est que c'est la première fois que quelqu'un vient avec la précision, en fait. Chacun vient avec quelque chose. Hein. Et là, waouh, c'est le cadeau de l'incarnation de Nathalie. Comment tu te sens, là? Bien, je goûte. Oui. Il y a un côté délice, nectar. Ouais. Ah ouais, je me sens super bien aussi. Alors, c'est, je suis aux anges. Nathalie. Ah oh bah dis donc, merci d'avoir cliqué. Ouais, bah ça marche hein, l'histoire de la connexion là, c'est. Oui. Ça marche très bien. En fait, il y a la réalisation que quelque chose se passe dans l'invisible et dans d'autres dimensions, et que le mental n'est pas obligé d'attraper ou de nommer en fait. Alors ça, c'est le deuxième apport de Nathalie, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Je me méfie des mots et des concepts. J'ai peur de m'enfermer dans le mental. Alors du coup, j'ai mis la priorité dans mes ressentis. Tu sens ? Oui. Et ça, c'est une très belle stratégie de Nathalie. Après, mon jeu, c'est de me réconcilier maintenant. Tu sais, de me pacifier avec le mental pour faciliter l'expression. Ah, d'accord. Et pour être aussi plus accessible, entre guillemets. Je comprends, ok. Bah, du coup, voilà pourquoi tu as cliqué. C'est très clair. Je comprends. Ok. Alors, ça tombe bien parce que... Ouais, vas-y. Ouais, certaines personnes, tu vois, sont ok pour le silence et... On se ressentit fin, mais pas tout le monde. Donc, il y a des personnes où il faut d'abord passer par le mental. Et pour ça, il faut déjà que je me fasse confiance, moi, tu vois. Que je vraiment que je me réconcilie. C'est en train de se faire, hein, c'est un chemin.
Bah déjà, le fait de l'exprimer, ça se fait, en fait. Quand je l'exprime, je le fais. Allez, Sébastien est encore tombé amoureux. C'était rapide, sans coup. Il y a un truc dans Sébastien qui ça l'énerve à chaque fois. C'est ce qui énerve Sébastien, c'est qu'il est toujours au courant après, en fait. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux et après, il reçoit le message. Ah, voilà, t'es amoureux. Je savais que c'était un métier dangereux. Enfin bon. Ah. Ça résonne de partout, en fait. C'est chouette. Alors, je vais quand même traiter la question. Alors, la question, c'est... ça tombe bien. Donc, chez Brahmadev, il y a le supramental. Okay, il y a le système émotionnel là, qui a été travaillé ces dernières années. Il y a le cœur qui est super, on va dire, opérationnel. Et le supramental aussi. Du coup, la question, c'est la question de l'adaptabilité. Comment je vis mes relations avec les autres. Alors, pour l'info, Sébastien, Brahmadev plutôt, est professeur de relationnique. Donc, c'est la science des relations. Okay, donc là, on est sur ce sujet-là, la science des relations. Ma relation avec les autres. Et c'est une science, en fait. Parce que dans ma relation, il y a donc moi, et dans moi, il y a l'être qui est en mode communication non violente, l'être qui est en mode écoute, sensible, et il y a des fois aussi des sous-personnalités. Voilà, ça c'est dans moi, donc j'ai l'être et j'ai des sous-personnalités. Là je parle pour tout le groupe, hein. Et du coup, des fois, les relations avec les autres moi-même, c'est des relations non pas d'être à être, mais de sous-personnalité à sous-personnalité, parce que l'autre est dans la confusion identitaire. Alors moi, je voudrais des relations d'être, mais des fois, c'est un peu compliqué parce que l'autre, il arrive avec son mental et il se raconte des histoires, il veut me raconter des histoires, mais moi, j'y crois pas. C'est drôle. Ouais, tu le sens ? C'est vraiment tout à fait ça. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Et souvent, tu vois, je sens tellement notre connexion que une part de mon être est complètement larguée que l'autre ne le ressente pas. Tu vois, ça crée un... Mais c'est pas possible que la personne ne puisse pas le sentir. Bon, j'ai appris au cours des années à voir ça, à voir ce jeu-là. Mais c'est vrai que ça m'a posé pas mal de difficultés. Il y a une chanson pour toi. Cool. Tout à l'heure, je te chanterai une chanson. I'm a creep. Tiens, tout à l'heure, quand tu as parlé de chanson pour Arnaud, il y avait Happy de Pharrell Williams qui me venait. Ah, d'accord. Alors, il va falloir que j'étudie. Je connais pas. Happy de Pharrell Williams. Si tu veux m'envoyer le lien. Ouais, je t'enverrai. Radiohead, I'm a creep. Tu connais? Non. Ok. Et là, c'est une chanson qui dit « Je suis bizarre, je suis étrange, qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas d'ici. » Tu vois? Voilà, en je te dédicacerai cette chanson juste après. Moi, il y avait une chanson d'Omnia qui remuait beaucoup les émotions. Je ne sais pas si tu connais le groupe Omnia. Non. Et c'était « I don't speak human ». Je te l'enverrai aussi. Ah, j'aime bien « I don't speak human ». Ouais. Ouais. Sur Messenger, t'as mon Messenger, hein, je crois. Ouais, je t'enverrai ça. Envoie-moi les chansons parce que mon métier en fait est en train d'évoluer et mon métier c'est de donner des médicaments psychiques et chanter c'est magnifique parce que dans le chant, quand je chante en fait, je chante en étant dans le système de l'autre. Donc ça c'est une capacité de la clairvoyance donc. Donc du coup, c'est toi qui vas chanter avec moi, en fait. Et du coup, quelque chose va se libérer en fonction de la chanson. C'est pour ça que je reçois le message là de chanter. Voilà. Et je reçois aussi le message, j'ai besoin de plein de chansons, donc envoyez-moi les chansons que vous aimez. Car en fait, le pauvre Sébastien,
Il est obligé de préparer la semaine les chansons pour vous les chanter le week-end, mais ça demande beaucoup de préparation de chanter des chansons, en fait. Surtout qu'en ce moment, je crée le centre. Il y a la danse aussi. Tu peux faire de la danse intuitive en même temps que ton yoga intuitif. J'ai reçu le message, effectivement, d'en faire. Ouais. J'adore danser. D'ailleurs, mon yoga, c'est presque de la danse par moment, en fait. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est un yoga d'abandon à l'être. Et d'ailleurs, ce n'est pas du yoga au sens connu, puisqu'en fait, il y a quelques postures de yoga, mais c'est des mouvements qui viennent de je ne sais pas où. C'est même pas du Qigong non plus. Et c'est des mouvements d'ancrage. Et dedans, il y a un peu de danse. Ouais. Il y a l'énergie delphique aussi. Enfin, toi, je ne sais pas, mais moi, je sais qu'il y a l'énergie delphique quand je fais du yoga. Qui m'amène du yoga à la danse. Alors, oui, mes oreilles poussent. Je suis une elfe, évidemment. Tu peux continuer? C'est magnifique, ça m'a fait des frissons dans tout le dos. Et ça va bien avec la musique. Waouh. Alors, il y a un autre truc qui arrive là quand je suis dans ton système. Il y a un truc super mystérieux. C'est rigolo. Il y a un truc mystérieux. Et oui, d'accord. C'est parce qu'en fait, il y a une communication multidimensionnelle. C'est pour ça. C'est perçu comme mystérieux. Mmh. C'est rigolo. En fait, il y a ce que tu dis, ce que nous entendons. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas visible ou entendu. Et c'est l'espace dans le silence. Waouh! Mais qui es-tu? Qui êtes-vous? Tu le sais déjà. Oui. C'est génial. Oh. Est-ce que tu as lu le livre Qui êtes-vous? Non. Alors, il y a un truc aussi quand vous arrivez, c'est des fois, je peux reconnaître les énergies de fées, les énergies elfiques ou les énergies, quand elles sont un peu connues chez moi. Et alors, je reviens à la musique. Hein. Le fait d'être une descendant elfique, artiste elfique. Ah, oh, c'est la première fois qu'on a ça, tiens. Ah, oh, une artiste elfique. Parce que tout à l'heure, dans l'expression, il y avait l'artiste elfique. Waouh. Ça va bien avec la musique. Tu sens? Comment tu te sens, là? Il y a un mouvement qui s'amorce. C'est comme une danse. J'ai des frissons dans tout le corps, là. Je suis très, très, très en lien au végétal. Et tu parlais d'orgasme tout à l'heure, et moi, je ressens ça avec le végétal. Tu vois, dès que je suis en lien à une plante, à une feuille, n'importe quoi, ou même à de la sciure de bois, tout de suite, il y a cette puissance d'amour qui est là. Waouh! En fait, c'est pas descriptible. C'est à vivre. Alors, il y a un truc extraordinaire, c'est tout ce que je ressens dans la présence de Nathalie. C'est quoi ton nom d'être? J'en sais rien. Est-ce que tu peux rechanter en mode elfique? Laoma elia keni asia, inai kema opa o kiri asini. Naopa o koko ma o pali ni kimaisi. Anuakoa maari ania. Siaho. Siaho mai.
Sia hoho maria ni ake 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 amao. O palo ni kereasi. Naiko amao. Naakoa. Tu sais, moi, je peux ne pas m'arrêter hein, quand je commence à parler comme ça. Alors, en fait, nous sommes en train de recevoir une initiation d'une princesse elfique, d'une déesse elfique, qui est l'être de Nathalie. Avec une douceur. Et en fait, c'est un cadeau. Voilà pourquoi elle a cliqué. Des fois, quand vous cliquez, vous croyez que vous allez recevoir quelque chose, mais en fait, vous allez surtout donner quelque chose. C'est pour ça que je vous demande de cliquer, en fait. Parce que j'aime les cadeaux. Merci, Nathalie, hein, de... Waouh, c'est énorme, en fait. C'est envoûtant, en fait. Il y a un truc super envoûtant. Alors, la musique qui va avec, elle est féerique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alia, kaoma, alia, nia, kia, sia. Nai kia o, holi ani ke pao. Sae masai ani ke riasea. Nau mai, ilia o, na kiria ho mai. Inai sao. Nai sao. Inai sao. Nai sao. Mikova ala e ofire amala o ito vaketa. Nous sommes faits pour faire des dessins animés. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe. Est-ce que Nathalie a la conscience de ce qui se passe un peu? Oui, j'ai juste dit oui. J'ai juste dit oui pour exprimer je suis. Pour jouer le jeu. Gratitude. Waouh, il y a de la joie. Alors, tu as gagné un pass découverte au stage Rencontre avec l'être qui a lieu tous les samedis 14h. Si tu as envie d'honorer de ta présence. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ça serait chouette parce que en fait dans le groupe, il y a plein de clairvoyants, plein d'artistes, plein de... Et en fait, c'est un prétexte, évidemment, le stage pour échanger et pour être ensemble. Alors oui, je vais quand même répondre à... Alors je me rappelle, tout d'un coup, il y avait le besoin. Puis après, je vais te chanter la chanson. Être accessible. Alors, c'est une vraie question. Être accessible. Alors en fait... une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Ben justement, c'est répondu par le stage. En fait, il y a la réalisation que je n'ai pas besoin d'être accessible pour tous. Voilà, c'est ça le problème. La croyance que je dois être accessible pour tous. Ben non.
Je suis pas venu pour être accessible, je suis venu pour être. Et en étant moi, certains vont comprendre ce que je suis. Là, dans le groupe, c'est très clair. Hein. Je suis pas tout seul à comprendre ce que tu es. Hein. C'est sûr. Parce que nous, on est entraînés, si tu veux, à ressentir les énergies. Quelque part, nous avons été préparés pour toi. C'est beau. Ouais. Et parce qu'en fait, dans notre groupe, nous sommes entraînés à ressentir dans le cœur et dans l'émotionnel. Et le mental, il est là, bon, pour s'abandonner à l'être et à l'amour. Et du coup, dans mon besoin d'être comprise ou accessible, en fait, la vraie question, c'est oser l'inaccessibilité. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai un frisson. Oser. Mais oui, évidemment. En fait, il y a la réalisation que être accessible ou pas n'est pas mon problème. Et puis du coup, là, c'est pour Sébastien Brahmadev et pour toi, c'est pour tous les deux. En fait, je ne suis pas venu pour être accessible, je suis venu pour être. Si je ne suis pas compris ou comprise, ce n'est pas du tout mon problème. C'est le problème de ceux et de celles qui ne comprennent pas. Évidemment, à force d'être moi, d'être sensiblement moi et d'être précisément moi, une partie de moi est comprise et perçue, une autre partie ne peut pas être comprise ou perçue, mais il n'est pas question, il est hors de question de me falsifier pour être accessible. Oula, il y a un truc dans le cœur. Ah, c'est une question de falsification. Il y a le piège de tomber dans un rôle ou dans un truc qui n'est pas moi. Voilà, il y a un danger. Il y a un grand désir d'authenticité chez moi. Ouais. C'est plus qu'un désir, hein. C'est une question de vie ou de mort, là. Il y a pas, c'est pas du tout un désir, hein. C'est une question de vie ou de mort, en fait, hein. C'est lié à la précision, en fait. La précision est un effet secondaire de l'éveil et de la réalisation de l'être en soi. C'est beau. Et du coup... Ça bouge au niveau de la gorge, là. Ouais, c'est l'expression. En fait, la vraie question, c'est est-ce que je pourrais oser être bizarre, oser être inaccessible, oser être encore plus mystérieuse. Voilà, ça se résout comme ça. En fait, wow, c'est beau. Merci pour ton offrande. Je t'aime. Tout le monde dans le groupe avec moi, je t'aime. Envoyer de l'amour. Ah, gratitude. Parce qu'en fait, l'offrande que tu viens de m'offrir et de nous offrir, c'est... Waouh, c'est une belle offrande. C'est le mystère. Oh, waouh. Mais oui, évidemment, le mystère. Je remplace l'inaccessibilité par le mystère de l'être. C'est évident, tu vois ? Et tout est résolu d'un seul coup. J'ai pas besoin d'être accessible, j'ai besoin d'être mystérieuse. Comme ça, ce qui n'est pas accessible reste mystérieux. Et du coup, l'autre peut quand même ressentir ce que je suis. Voilà. Tu sens ? Oui. C'est beau. Waouh. Non, c'est un sacré Mais truc. Mais tu sais, c'est pas un hasard si tout à l'heure il y a eu la fréquence de Mère Teresa. Il y avait vraiment, enfin, il y a toujours eu ça chez moi. Cette, je reconnais tellement mon frère dans ce qu'il est, qu'il y a ce désir de pouvoir communiquer avec chacun, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à parler en langue, enfin que j'ai retrouvé ce langage. C'est parce qu'il est, c'est un langage d'amour. Il n'est pas à être compris par le mental. Tu vois ? Il fonctionne très bien. Mais justement, le mystère, il est là, dans ce langage non mental. Il est dans mes silences, dans ma présence. Il est dans
tout ce que je ne dis pas. Waouh. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Ouf, c'est génial. Waouh. Dis donc, il y a beaucoup de beauté hein, là-dedans. qu'est-ce qu'elle est belle, Nathalie. Waouh. Non, c'est grand chez toi, hein. Waouh, c'est vachement grand, dans le cœur, dans l'émotion, partout. Oh, voilà. Bah dis donc, qu'est-ce que nous avons mérité dans le groupe pour recevoir Nathalie? Ah bah dis donc, on a dû faire un truc bien. Hein. Ah bah on est à l'épisode 63. Ah bah aujourd'hui, c'est un jour spécial. Hein. Oh, waouh, aujourd'hui, c'est... Bah, toutes les semaines, ça augmente un petit peu plus. Vous avez remarqué? Ah ouais, alors là, c'est le... Waouh! Ah ouais, toutes les semaines, ça augmente un peu plus. Un peu plus parce que nous sommes prêts. Collectivement, le groupe est prêt à accueillir des êtres comme Nathalie, comme Marie aussi, qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Waouh! C'est énorme, en fait. Gratitude, hein? Waouh! Comment tu te sens avec la résolution, là, du mystère? C'est doux, je suis à la maison. Mmh. Tu sais, c'est un peu... je suis à la maison, c'est ce que je retrouve aussi avec la fréquence arthurienne qui m'accompagne à ça. Tu vois, me reconnecter à toutes mes parts et à vraiment pacifier tout ce qu'il y a à l'être. Alors c'est aussi pour ça que tu es là, pour nous parler des acturiens. C'est un peu nouveau pour Sébastien. Au moment où j'ai fait l'interview de Stéphane vendredi, nous avons parlé des acturiens et forcément ils sont arrivés. Et comme je suis clairvoyant et connecté, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit « Voilà, nous voudrions nous exprimer dans ta série. » Alors j'ai pas eu le temps de préparer des messages là pour la méditation parce qu'il y a eu des problèmes hier d'internet et d'électricité, mais prochainement vous allez avoir des fréquences acturiennes. Alors justement, quelle est ta relation avec les acturiens et qu'est-ce que tu as compris des acturiens? Alors moi, c'était il y a quelques années que j'ai commencé à contacter cette fréquence de conscience. C'était là où ça a beaucoup résonné pour moi, c'est cette triangulation, cette trinité, on met le mot qu'on veut, peu importe, où il y a en même temps le pôle galactique avec les arthuriens, le pôle chamanique et le pôle messianique, toute l'énergie de Jésus, Archange, Marie, tout ça. Et ça me parlait énormément, ça résonnait vraiment. Et en fait, en cheminant comme ça, au cours des années, c'est recontacter cette part galactique que moi je symbolise comme celle du Père, si tu veux, et où du coup je vis toute l'unité, quoi, et où je peux retrouver toutes mes parts. Et du coup, la fréquence arthurienne, loin d'être perchée, m'accompagne à vivre mon humaine, tu vois. Mais dans cette pacification avec toute ma multidimensionnalité, c'est vraiment une fréquence qui amène à une pacification et un changement de perception, à une ouverture du champ de perception, à une simultanéité du champ de perception, voire même à partir de ton humain et en même temps partir d'autre part. Et en fait, ça se fait, j'allais dire tout seul, c'est simple quoi. C'est vraiment une fréquence très douce et comme tu as envie de chanter, bah, c'est pas par hasard non plus parce que c'est une fréquence qui est très 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 liée au son. C'est une fréquence d'encodage beaucoup par le son et le silence. Waouh. Il y a tout un univers qui arrive là. C'est quoi ton métier, Nathalie? Psycho-énergéticienne. Waouh. Ah, j'aimerais bien une session. Tu me laisseras tes coordonnées. Avec plaisir. Waouh. Ah, nous sommes avec une professionnelle là. Ah ouais, là, c'est sûr.
Ah, parce que déjà, ouf, vous avez normalement des ressentis là, ceux et celles qui sont à l'antenne. Ah, accueillez cette énergie. Parce qu'en fait, derrière Nathalie, il y a, comment dire, tout un univers avec plusieurs pôles, voilà, énergie christique, chamanique et puis galactique. Voilà. Et moi, ce que je ressens, c'est cet aspect multidimensionnel. En fait, il est évidemment totalement indescriptible avec des mots, mais par contre, il est reconnu par le cœur. Waouh! Et ça crée tellement d'amour et de bonheur de voilà, frères et sœurs des étoiles, elfes en tout genre, musiciens et artistes, elfiques ou pas. Et c'est très très profond en fait. Ce qui au départ, au départ était perçu comme de la précision, une fois que vous plongez dedans, en fait c'est de la clarté aussi. Et finalement, dans vos relations avec les êtres et avec les gens que vous allez rencontrer, avec aussi les thérapeutes, là, comme Nathalie. Il y a ce que vous ressentez quand vous entrez en contact avec quelqu'un. Et là, il y a tout, en fait. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai envie? Qu'elle s'occupe de moi? De voyager avec elle, tu vois? Waouh. Et à un moment, alors au début, pour l'humain, c'est juste un ressenti, je le sens bien, tu vois, entre guillemets. Et puis, quand vous devenez clairvoyant, il y a l'être qui reconnaît, en fait, l'être. Et tout le corps, en fait, vibre, reconnaît. Et c'est tout l'être qui reconnaît l'être, en fait. Et le cœur qui reconnaît le cœur. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, c'est un peu comme les bons vins. Il y a la première, premier contact avec le vin. Et puis après, c'est long en bouche. Voilà. À un moment, vous vous rendez compte que, waouh, la fusion est faite. Le contact est là. Et vous avez déjà reçu, en fait, l'initiation. C'est trop tard. Tu sens? C'est trop tard. Vous sentez? Vous avez été initié par Nathalie? C'est trop tard, en fait. Il y a la moitié du groupe qui sont tombés amoureux. Et les autres qui sont sous le charme. Voilà. Et là. Nathalie est arrivée. Ouais. Ah. Voyons, cette série nous réserve des surprises. Oh. Des sacrées surprises, même. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui méditent le dimanche et qui s'entraînent à s'abandonner au cœur et au ressenti. Car si vous suivez les épisodes uniquement avec le mental, vous risquez de vous faire chier. C'est normal, parce que c'est pas une émission mentale, en fait. Il y a un peu de mental, mais derrière chaque son, chaque voix, chaque rire, il y a l'énergie. Waouh! C'est ça, Nathalie? Respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais. Ah ouais, non, ils insistent pour que je chante la chanson. Alors il y a un truc en moi qui n'a pas du tout envie. Parce que je suis déjà en auto-hypnose. Parce que la chanson va réveiller tout le monde, hein, je vous préviens. C'est une chanson rock. C'est un truc qui n'a rien à voir avec l'énergie de maintenant, mais elle va être teintée quand même. Et puis, bah, Nathalie, elle a le droit de recevoir son médicament quand même. Elle a appelé,
elle va être honorée, quoi. Et voilà. Oh, mais je suis tellement bien, là. Oh. Pouf, je pourrais rester plusieurs vies avec toi, Nathalie. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je sais. je sais. Je te demande quand même pour parler. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, il y a le cœur qui s'ouvre là. Oh, vous sentez dans la poitrine là ? Oh là, il y a un truc. Comment tu te sens dans le cœur ? Moi, je me sens bien partout, moi. Ah, là, il y a un truc qui ouvre dans le cœur. Ça fait presque mal. Wow, il y a tellement de perfection là dans cet épisode et dans cette journée, dans les musiques, dans l'expression. Alors avant que je chante, est-ce que la réponse à la question est satisfaisante? Est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il y a un autre truc qui vient? Le truc, ça pourrait être par rapport à l'énergie du combat. Tu vois, moi, j'ai été toute ma vie dans un système de fuite pour éviter le combat. Mm-hmm. En même temps, je ne meurs pas, hein, le combat est dans la fuite. Et en même temps, je sais que c'est bon. Tu vois, par exemple, des fois, je m'amuse à faire du cardio-box ou le haka et ça me fait du bien, mm-hmm. tu vois. Et j'ai besoin de ça aussi, de ce côté plus dynamique, pour pas être toujours dans mon yin, mais aussi un peu dans le yang. Et ouais, il y a un truc qui joue avec ça. Il y a une espèce de peur ou de refus du conflit. Et en même temps, ça fait partie du jeu, le conflit. Enfin, c'est rien qu'un jeu, quoi. Alors. C'est aussi pour ça qu'il y a la rencontre avec Brahmadev, car Brahmadev est très expérimenté dans le troisième chakra, et aussi dans le yang d'ailleurs, et dans l'yin aussi, mais aussi dans le yang. Et en fait, il y a des confusions enlevées, alors nous avons des affirmations à dire. Dites avec moi, j'active le conflit paisible en moi. J'active le conflit paisible en moi. J'appelle Gandhi. Je laisse émerger Gandhi. J'honore Gandhi. J'honore Gandhi. Je reçois l'initiation. Je reçois l'initiation. Conflit paisible. Conflit paisible. Une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors en fait, il y a un paradoxe à résoudre, car j'ai réalisé que j'étais l'unité. Alors surtout avec les fréquences acturiennes, c'est pas dur. Et en même temps, je suis l'unité, je suis créatrice de toute ma réalité, de l'univers, de tout. Et en même temps, quand je vis ma vie d'humain, je suis venu exprimer ma voix et il est possible que je sois en conflit avec d'autres moi-même parce que toutes les notes de musique ne sonnent pas avec toutes les notes de musique. Par exemple, Do et Do dièse, ça va créer une sacrée dissonance. Alors, j'ai besoin d'accords. Do, Mi, Sol, admettons. J'ai aussi besoin de tension, mais faible, pour ne pas m'ennuyer. Parce que, en musique, la tension a été créée justement pour que la musique soit intéressante. Parce que des accords tout le temps, c'est chiant. Et alors, moi, en tant qu'humain, j'ai besoin de vivre l'expérience du conflit. Alors, paisible pour le moment. Après, je verrai si je suis prêt. Plus tard, je pourrai même vivre, et ça sera ok, le conflit violent. Waouh. Eh ben, dis donc.
Voilà pour éclairer un peu le chemin. Sacrée offrande là que tu nous donnes aussi. Il y a la réalisation que tout est juste pour l'être. Que être juste est une question de point de vue. Que parfois, le conflit violent va me protéger, me libérer, me faire sortir de prison. Si quelqu'un m'enferme, par exemple, ou si quelqu'un me veut du mal, ou si quelqu'un veut me tuer, alors, dans ce cas précis, je m'autorise le conflit violent, car ma survie est en jeu. Voilà. Comment tu te sens ? Alors au début, c'était au niveau du cœur, tu vois, il y avait vraiment une chaleur. Ce n'était pas quelque chose d'oppressant, c'était plutôt une chaleur diffuse au niveau du cœur. Et au fur et à mesure, c'est vraiment une sensation de... comme je prends ma place, tu vois ? Et les pieds qui sont vraiment posés, enfin, c'est assez difficile à décrire. C'est toujours la difficulté. C'est vraiment cette sensation de... C'est OK. Il y a quelque chose qui s'assoit. Je m'autorise à prendre ma place. Oui, en fait, ma place, c'est d'être moi. Oui. Ma place, c'est d'être moi. Et être moi, c'est défendre ce que je suis. Voilà, c'est ça. Ce qui manquait, c'est... Je n'osais pas défendre ce que je suis. Et c'est lié à l'autisme et c'est un problème identitaire. Comme si, en fait, ce que je suis n'avait pas eu le droit d'être pleinement. Et ça va être résolu par la chanson que je vais chanter. Parce qu'en fait, je n'avais pas accepté d'être bizarre. J'ai toujours su que j'étais bizarre, en fait. Mais j'ai cru à un moment... que c'était moi le problème. Ah ah ! Or, ce n'est pas moi le problème, c'est évident, là, je suis chez toi. Le problème, c'est les autres qui étaient dans la confusion identitaire, qui étaient envahis par leur mental, déconnectés du corps et déconnectés de l'émotionnel. Là où je suis reine, car moi, je suis reine dans mon royaume, impalpable, multidimensionnel. Voilà, vraiment pour toi, cette chanson. Waouh, c'est un hymne. Parce qu'en fait, waouh, je suis tellement spécial. Tu vas voir la chanson, elle parle que de ça. Waouh, je suis tellement spécial. Comment tu te sens ? Bien. Il y a de la joie. Oh, je suis plein de joie, ça pétille. C'est... Ouf. Ouais. En fait, c'est je m'autorise à défendre ce que je suis, mes valeurs, ce que j'ai réalisé. Voilà, c'est juste ça. Incluant le verbe sacré. Alors justement, on a quelque chose qui arrive, dites avec moi. J'honore mon verbe sacré. J'honore mon verbe sacré. Dis-le en vrai. J'honore mon verbe sacré. J'honore mon verbe sacré. Je défends ce que je suis. Je défends ce que je suis. J'honore ce que je suis. J'honore ce que je suis. J'active la femme sacrée en moi. J'active la femme sacrée en moi. Gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Verbe sacré. Verbe sacré. Femme sacrée. Femme sacrée. Pouvoir du cœur. Pouvoir du cœur. Gloire à l'amour. Gloire à l'amour. Gloire à l'amour. Gloire à l'amour. Est-ce que tu peux envoyer un peu plus? La umali ania kiri asia koko umali ania kiri asima opai maopai li ania kiri amaopai. Inai sao mau pai, kalua nia. Comment c'est dans le ventre?
léger. Comment c'est dans le troisième chakra au niveau du pouvoir? C'est fluide aussi. Là, je sens surtout encore du thymus vers la gorge et vers le troisième œil. Et le sacrum aussi. Alors, ma recommandation, ça va être de chanter, pas maintenant, mais cette chanson, voilà, la chanson que je vais chanter là, ce serait même de la chanter, de revoir l'enregistrement et de la chanter. Voilà. Car en fait, c'est toi qui vas la chanter avec moi, là, dans l'invisible. Hein. Au niveau de la voix, il n'y a rien à dire, parce qu'en fait, il y a 2 secondes de décalage, donc aucun bruit, c'est important. Mais par contre, avec la présence et ce que tu es, nous allons la chanter ensemble. Oui, ça se fait déjà, je sens ma gorge. Je sens le ventre. En fait, c'est super agréable parce que quand je suis chez toi, je me sens super connecté à mon corps. Ouais. En fait, ouais, t'es plus connecté à ton corps que Sébastien. C'est chouette. Du coup, ça c'est fait. C'est mon jeu d'amener dans le corps. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que Sébastien, il a reçu l'idée de Brahmadev. Vas-y, prends une session, elle va t'apprendre des trucs. Bah oui, c'est évident. Et bah, c'est pour ça que tu peux apprendre quelque chose aux autres et offrir au monde, c'est la connexion au corps. Waouh. C'est tellement agréable là, d'être avec toi. Alors justement, c'est le corps qui va chanter. Et ouais, le corps. Alors, nous allons nous préparer progressivement à chanter. Attention, c'est rock, ça va bouger. Hein. Ouais, parce que c'est un truc qui envoie, parce qu'il y a besoin de la puissance du troisième chakra. Pour Nathalie. Parce qu'en fait, il y a un truc quand même, il y a une peur de la puissance, tu sens ou pas? Oui. Il y a une grosse peur de la puissance. Je la sens tellement, ma puissance, oui, ça c'est clair. Oui, bien sûr. Nathalie a peur de la puissance de l'être. Et en fait, et ça c'est quelque chose que Brahmadev, il a déjà réalisé en fait. Donc ça fait partie de la série, très souvent il y a quelque chose qui envoie en fait. Tu vois? Et voilà, ça c'est un des apports de Brahmadev. Alors voilà, les paroles sont là. Ouais, ça va vous changer de la musique qui passe en ce moment. Voilà, alors nous allons modifier les fréquences là. Alors attention parce que ça va peut-être faire un choc. Attendez, je vais vous mettre une musique préparatoire peut-être quand même, parce que... Voilà. Et nous allons faire une petite pause quand même, de quelques minutes, voilà. Petite pause, et après ça va être chanson. Voilà, parce que là, faut quand même transition. Voilà. Alors, si chez vous, vous avez envie de chanter, je vous envoie le lien des paroles. Voilà, comme ça vous pourrez chanter chez vous. Parce qu'en fait, l'idée c'est de chanter avec Brahmadev et Nathalie. Alors Nathalie, remarque, je pourrais peut-être... Ouais, je fermerai le micro, comme ça tu pourras chanter aussi. Ok? Vous êtes aura plus d'effets. Okay. Alors on fait la petite pause et nous chantons. Ok? À tout de suite. Ok.
une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Nathalie ? Oui. Alors, je vais couper le micro momentanément et après, je réouvrirai. À tout de suite. When you were here before, could I look you in the eye? You're just like an angel. Your voice makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a queen. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong. It hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special, Nathalie. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Alors, une respiration en sang. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Voilà, Nathalie, tu peux rouvrir ton micro. Voilà, dites en commentaire comment vous avez ressenti la chanson. Wow. Alors, c'était comment? Waouh. C'était riche, c'était beau, c'était bon. Enfin, c'est en train de se jouer là dans le corps, tu vois. Alors, j'ai senti la gorge, puisque c'est ça mon jeu. Hein. Mon jeu, c'est vraiment le verbe, l'expression et ce que j'ose pas, jusqu'où je peux oser. Tu sais, on parlait de puissance. Et c'était magnifique, surtout au moment de run. C'est moi, mon anglais, il est pas. Mais waouh, c'était beau. Et là, en fait, je commence à sentir du côté gauche depuis un certain temps déjà. Je sens le mollet gauche, la cheville et tout. Et là, je sens que le mouvement bouge. Tu vois, c'est en train de circuler là. Et ça vient rejoindre plein de trucs qui ont émergé, tu sais, ces derniers jours. Mais tu me dis si je prends trop de temps. Non, c'est parfait, t'inquiète. C'est par rapport à ces parts de mon être qui se culpabilisent d'avoir un ego trop fort, trop puissant, parce que je suis lion, c'est mon signe astrologique, je suis coq en chinois, et en même temps, je sais que c'est pas pour rien, parce que cet ego, il est au service de ce que je suis. Donc, c'est mon jeu, et c'est pleinement mon jeu, et c'est juste m'autoriser, le goûter, et m'en amuser, et d'ailleurs, je m'en amuse hein, quand je le vois, cet ego du lion. Voilà, parce que c'est, encore une fois, c'est un jeu. Tu sens que le chakra 3, il est beaucoup plus actif, là. Tu sens? C'est plus la même Nathalie. C'est la lionne, là, qui est arrivée. Tu vois? Ouais! Ça fait toujours cet effet-là, la chanson. Ouais. Quand je la chante, c'est pareil. Alors, du coup, j'ai reçu le message de la refaire parce que c'était juste l'échauffement. Brahmadev, laissez-moi tranquille! Ah ouais, bon, ok, on va la refaire. Non, parce qu'en fait, tu sais, normalement, pour chanter, il faut s'échauffer. Et bon, là, il n'y a pas eu d'échauffement aujourd'hui. Je chantais un peu ce matin. Mais du coup, là, maintenant, je me sens échauffé. Et donc, on va la refaire. Voilà. Et chacun, là, chez vous, allez-y, j'ai publié le lien. Vous avez les paroles. Allez-y, vous allez sentir dans votre chakra quelque chose parce qu'il y a l'effet groupe. Eh bien oui, c'était pas prévu dans l'univers, là, que je sais même pas combien on est, que plein de personnes chantent en même temps la même chanson. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez ouvrir votre troisième chakra, vous allez vous autoriser. Hein, t'as compris un peu les paroles, non? Oui, mais en fait, moi, j'ai cliqué « traduire en français », comme ça. Ah, comme ça, j'ai l'anglais et le français. Les paroles, c'est « le gars, il est amoureux d'une fille, elle est tellement spéciale, évidemment, il n'ose rien. » Et il ne se rend pas compte, en fait, que lui aussi, il est spécial. Et il dit « qu'est-ce que je fous ici? Je ne suis pas d'ici !» Tu vois? Et c'est ça qui parle. Et elle est géniale, cette chanson. Et donc là, quand je la transmets, Brahmadev et Nathalie, elle est spéciale. C'est la version Brahmadev et Nathalie. Elle est aussi à danser, cette chanson. Ah bah oui. Allez, on en refait une. Parce que là, je suis un peu plus échauffé. Parce qu'en fait, il y a quand même possibilité de faire mieux. Et puis après, voilà, je te reprends. Hein. Je coupe le son momentanément. Allez, bonne chanson. Okay, tout le monde avec moi. Voilà, nous allons chanter de nouveau. Ah bah oui, parce que c'est tellement chouette. Eh oui, ces soirées karaoké. Waouh. Tous les dimanches, il y a une partie karaoké. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your voice makes me cry.
You float like a feather in a beautiful world. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a queen. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a queen. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Whoa, whoa, she. Again, she's running out. Run, 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 run. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so fucking special, Natalie. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. Voilà, gratitude. Merci. Merci. Voilà. Ah, du coup, ouais, c'était humide pour moi. Je suis mouillé partout. C'était super émotionnel. C'était, wow, c'était génial. Merci à tout le groupe qui est là en soutien et qui a ressenti. Du coup, je me sens super aligné. Ouais, c'était très émotionnel. Je suis content d'avoir chanté une deuxième fois. Voilà, y a tout le corps qui tremble, en fait. Comment t'es dans le corps ? Paisible. Ça oscille. Pendant la chanson, ça bougeait encore. Toujours pareil, la gorge et le mollet. Et cette notion de puissance, comme tu le disais tout à l'heure, au niveau du ventre. Et là, ça bouge au niveau du cou, côté droit. Il y a un nerf là, qui est en train de bouger à ce niveau-là. Génial. Ah, c'est bien.
Alors, Nathalie, je vais aussi honorer les autres personnes. C'était un épisode magnifique. Merci vraiment à toi et à tout le groupe. Vous êtes adorables, vos commentaires, c'est super sympa. Oui, gratitude à toutes celles et tous ceux qui sont là. Il y a vraiment un esprit tribu et groupe là depuis la méditation d'aujourd'hui que je te recommande. C'est la plus forte, la plus belle. Elle a eu lieu tout à l'heure à 15h30. Elle est sur YouTube. C'est là, en plus, surtout, comme tu as beaucoup de ressentis, à mon avis, ça va te faire un drôle d'effet, la méditation de tout à l'heure. Parce que nous sommes partis dans nos tribus préhistoriques avec les dinosaures. Et il y avait vraiment ce côté ancestral. Reconnexion aux ancêtres, aux chamans, à tout ce que nous sommes, chez nous, entre le haut et le bas, entre les descendants et les ascendants. Voilà. Bah, rien que quand tu en parles, je sens partout là, le sacrum, le ventre, ça s'active de partout. J'ai pleuré pendant une heure pendant la méditation, j'avais du mal à parler tellement c'était fort, ça n'a jamais été aussi fort. C'est... D'habitude, je pleure pas. Et là, il y avait tellement d'émotions de revivre l'être dans les hommes préhistoriques qui commençaient à faire du feu, à être en tribu, à s'entraider, à enterrer les morts, à honorer les vivants. Il y avait tellement de sacré. C'était waouh. C'était la première fois que je retournais là. C'est grâce au groupe. Hein. Le groupe avait besoin d'aller voir les hommes préhistoriques. Et enfin, bon, moi, je ne vais pas vous refaire la méditation qui dure 3 heures, mais l'énergie est là. Merci. Oh, je t'aime. Tout le monde avec moi. Nathalie, je t'aime. Gros câlin, Nathalie. Waouh. Merci. Merci pour ton apparition. Et contacte-moi sur Messenger pour le pass découverte. Voilà. Gros bisous. Promis, puis je t'envoie les chansons. Merci. Oui, à bientôt. Merci et merci à chacun. Merci. Je t'aime. Tout le monde avec moi. Je t'aime. Voilà. Ah, génial. Ah, bah dis donc, quelle émission.